c'est un match très excitant. Voilà, il n'y a pas que les playoffs où il y a aussi des fois des saisons difficiles comme on vient de vivre et essayer de sauver la saison sur la dernière ligne droite. Voilà, faut pas oublier qu'on est à 3 victoires sur les 5 derniers matchs, qui est un sprint plutôt pas trop mal. Maintenant, on a un dernier match chez nous contre une équipe qui est logiquement à notre portée. Voilà, mais pour ça, il va falloir faire un bon match. Hein, parce que allez pas croire que même s'ils ont rien à jouer, qu'ils vont venir ici pour nous donner le match. Hein. Non, non, il faudra aller le chercher. Et si tu veux mériter quelque chose, il faut toujours aller le chercher. Donc on est très excités et très impatients de jouer ce match. Voilà, il faudra mettre de l'intensité et faire de ce match une belle soirée avec, avec un public, avec un résultat, avec une communion. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Bah, c'est une équipe qui vient de gagner largement contre Paris, donc voilà, c'est une équipe qui est, de toute façon ils n'ont plus rien à jouer, c'est malheureux, ils ont une saison difficile comme nous, ils savent très bien que l'année prochaine ils seront en Pro B, donc c'est une équipe qui est libérée, donc c'est une équipe dangereuse, voilà, c'est une équipe si on le laisse jouer, si on le laisse s'installer, on peut passer une très mauvaise soirée, donc à nous de réagir, voilà. Nous, contrairement à eux, pardon, on a quelque chose à jouer et on va le jouer à 300%, ça c'est une évidence. Je pense qu'il va falloir défendre, hein, je vous le dis souvent, mais voilà, c'est une équipe, si tu les laisses s'installer, ils peuvent mettre plus de 100 points, c'est ce qu'ils ont fait contre Paris la semaine dernière. Hein. Ils ont été, voilà, ils ont eu des tirs ouverts qu'ils ont mis dedans. Nous, si on les force à mettre des tirs très très difficiles, ça je l'accepterai, mais s'ils mettent des tirs trop faciles de donner, ça ce serait moins, voilà, ce serait moins intéressant pour nous. Donc à nous de mettre de l'envie. Qu'on soit dans un game plan, parce qu'on aura un game plan évidemment qu'on va essayer d'exécuter, mais surtout qu'on soit concentré du bon côté du terrain. Je dis pas qu'en attaque c'est pas important, mais sur ce match-là, c'est la défense qui sera le plus important. Ils sont concernés, ils sont motivés, heureusement, hein, ce serait le drame. Hein. Non. Ils sont excités à l'idée. Voilà, aujourd'hui, on sait que c'est le dernier match à domicile. Ils sont aussi en vie, avec cette saison difficile, offrir une belle victoire sur le dernier match à domicile à notre public. Et je vais rebondir justement là avec le public. Je compte vraiment sur les Orléanais parce que... ça fait assez longtemps que je suis là et où j'ai vu des salles transcender mon équipe et ce mardi-là, ce serait vraiment bien qu'elle puisse transcender mon équipe, surtout défensivement. Quand on sent cette atmosphère, quand on sent que ça pousse, on dit que c'est le sixième homme, mais vraiment, à Orléans, spécifiquement, j'ai vu parfois cette salle chaude et elle a besoin d'être chaude, mardi.